50 compétiteurs qui s'affrontent sur le lac de Carcan-Ourtin pour se qualifier pour le FC Fight Brochet 2024. Un bateau d'une valeur de plus de 40 000 euros pour le vainqueur. Ces qualifications du FC Fight étaient très attendues et il y avait beaucoup de tension et d'excitation autour de ce rendez-vous. Pour des raisons de sécurité, un tirage au sort a été réalisé la veille du départ par le tenant du titre, Tanguy Marlin. Les 50 compétiteurs vont partir lors de 5 vagues successives avec 2 minutes d'intervalle entre les groupes de 10 pêcheurs. Il y a des visages connus sur la grille de départ, des inconnus aussi, des pêcheurs très jeunes, d'autres beaucoup plus expérimentés, et tout le monde semble prêt pour la bagarre qui s'annonce terrible. On s'attend à ce que ce soit compliqué, mais je pense qu'il va y avoir quand même de très beaux poissons sortis. Peut-être pas de grosses quantités, mais des beaux poissons. Ouais. Je pense que ça va être très très dur, parce que le niveau il est super relevé. Franchement, le plateau il est impressionnant. Il y a beaucoup de pêcheurs qui ont un gros volume de pêche sur le brochet, qui sont très techniques. Il y a beaucoup de locaux qui connaissent super bien le lac aussi. Donc je crois vraiment que ça va pas être facile. Il y a quand même une grosse affiche. Il y a énormément de gens très connus, des gens très bons pêcheurs aussi. Donc je pense que ça va vraiment être tendu pour sortir du lot. Je suis accro aux compétitions, ça fait des années que j'en fais avec mon père partout en France. Puis je me suis dit pourquoi pas, l'opportunité de participer au FC Fight qualificatif, c'est quand même exceptionnel. Ce qui m'excite le plus, ça va être vraiment de me challenger aux autres. Je pense que j'ai beaucoup moins d'expérience que la majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc ça, voilà, je vais mesurer un petit peu mes compétences, mon analyse. En individuel aussi, c'est super. J'ai déjà fait mes premiers pas en compétition récemment, en binôme. Donc là, ça va être un bon moyen de voir ce que je vaux. Moi, ma plus grosse source de motivation pour cette journée-là, c'est d'essayer de remporter le bateau. Ouais. C'est vrai que y a eu des changements dans les circuits de compétition en France et c'est rare d'avoir des événements où il y a un lot aussi chouette au bout, à la clé. Alors moi, ce qui me ferait le plus kiffer, je pense, ça serait d'aller faire la finale. D'aller me mesurer aux autres, là, ça doit être assez sympa. Ouais. La plus grosse motivation pour moi, c'est, sans parler du bateau, c'est vraiment de faire le FC Fight avec les grands noms de la pêche, des très grands monsieur que j'admire depuis tout petit, donc ça serait un énorme plaisir pour moi de participer. On va tenter ma chance comme tous les autres, j'ai une chance sur 50, donc on va faire ce qu'on peut. Le niveau, il est vachement relevé. Il y a des bons compétiteurs qui sont connus de toute la France, qui ont fait de longs déplacements, qui ont des gros bateaux, qui ont des technologies assez importantes sur leurs bateaux. Donc voilà, le niveau est quand même bien plus relevé que les compétitions auxquelles j'ai pu participer les années précédentes. À 9h précise, c'est le départ de la première vague et de nombreux compétiteurs se dirigent directement vers le nord du lac et des herbiers repérés lors du pré-fishing. Ce lac de Carcan-Ourtin est tout simplement le plus grand lac naturel du territoire français. Il mesure près de 20 km de long et il est réputé pour être difficile. C'est un milieu qui abrite des très gros poissons, mais tous les pêcheurs savent qu'il sera difficile de boucler un quota. Ils disposent de 7 heures de pêche pour y parvenir. En début de journée, la météo est plutôt correcte. Le temps est frais, gris, avec de petites averses, mais le vent ne s'est pas encore levé. Dans ce contexte, c'est un pêcheur très connu qui va prendre le meilleur départ. Tom Couchou ouvre son compteur avec un poisson de 67 cm. C'est un excellent départ pour le frère de Charlie Couchou, le dernier finaliste du FC Fight Brochet. Tom a passé quasiment une semaine en pré-fishing sur le lac et visiblement, il a trouvé une zone et une approche qui fonctionnent. Du coup, c'est une zone où j'étais venu en pré-fishing, où forcément j'avais pas pêché les poissons, mais je m'étais baladé au ras du bord pour voir si justement je voyais pas quelque chose. Vu qu'on est à côté de la mise à l'eau et que c'est joli, c'est la première zone que j'ai faite. Et plusieurs fois, j'ai vu quelques poissons voilà, de cette taille-là partir. Si ça se trouve, celui-là, je l'avais déjà vu. Donc là, quand j'ai vu que personne venait ici d'entrée de jeu, même si j'étais en dernière vague, je me suis dit, je vais vite faire cette bordure-là avant d'aller sur mes autres plans. Donc avec un petit ratchet, un petit swimbait. Ramené entre les herbiers, je faisais des accélérations, des pauses. Puis sur une pause, je me suis rapproché d'une touffe d'herbe et je l'ai vu sortir et il l'a pris. On ne peut pas commencer mieux, c'est parfait. D'autres favoris vont ensuite se mettre en route. Pierre Kremer prend son premier poisson, un brochet modeste de 66 cm. Et c'est aussi le cas pour François-Xavier Tapin, qui valide un poisson de 72 cm après environ une heure de pêche. Il y a d'ailleurs un petit pic d'activité vers 10h et Théo Valfort en profite pour prendre un très joli poisson de 83 cm. C'est un excellent départ pour Théo qui a déjà participé au tour final du FC Fight Brochet.
son poisson est solide, c'est parfait pour sa confiance et ça le place idéalement en tête du classement provisoire. Dans cette zone située vers le milieu du lac, côté ouest, il va ensuite se passer pas mal de choses. Un autre favori agite son drapeau, il s'agit de Vincent Peña-Martin, qui mesure un broc de 80 cm. Il est presque 10h30 et les favoris, notamment ceux qui connaissent bien la zone, sont au rendez-vous pour l'instant. C'est ensuite une personnalité bien connue qui va s'illustrer dans ses qualifications du FC Fight. Toujours sur le secteur ouest du lac, Jérémy Cross, l'un des deux visages de la chaîne YouTube Scarlin Fishing, appelle les commissaires. Il vient de prendre un poisson qui frôle les 90 cm. Jérémy ne connaît pas ce lac de Carcan-Ourtin, mais il répond présent et il se met dans une situation idéale après environ 2 heures de pêche. Il va falloir compter avec ce YouTuber qui est avant tout un excellent pêcheur. Le vent commence à fortir sur le lac, les conditions deviennent musclées et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un premier tournant dans ses qualifications. Le compétiteur numéro 39, Cyril Boissineau, prend un gros poisson qui va être mesuré à 99 cm. Il prend directement la tête du classement provisoire et s'il parvient à boucler son quota, Cyril va être très dur à battre. Il y a toujours peu de touches, beaucoup de compétiteurs sont dans le dur au niveau de la pêche et pour tout le reste, il fait froid, il pleut, le vent génère des vagues pénibles et dangereuses, le mental de chaque concurrent est mis à rude épreuve. Cyril Boissineau ne va pas rester longtemps en tête de ce classement provisoire. Peu de temps avant midi, Tom Couchou valide un deuxième poisson, un brochet de 80 cm qui le place dans une situation idéale. Il n'est plus très loin de boucler son quota, mais surtout à ce moment-là, c'est le seul pêcheur qui a mesuré deux poissons. Il a un total de 147 cm. On se dirige en fait vers un duel entre Tom Couchou et l'un des favoris, Pierre Kremer. Ce dernier est un vrai spécialiste de Carcan-Ourtin. Il est au rendez-vous. Il valide lui aussi un broc de 80 cm peu de temps après Tom Couchou. Après 3 heures de pêche, ces deux-là sont au coude à coude. 147 pour Tom Couchou, 146 pour Pierre Kremer. Le duel pour la victoire se met en place, mais un troisième pêcheur va venir se mêler à la bagarre. Valentin Peña-Martin pose un poisson de 91 cm sur la règle. Il avait déjà un brochet de 80 cm. Il prend donc directement la tête de ses qualifications avec un total de 171 cm en deux poissons. Il a 24 cm d'avance sur Tom Couchou à ce moment-là. Valentin connaît très bien le lac lui aussi. C'est un excellent pêcheur qui met une vraie grosse intensité dans des conditions atroces. Il insiste sur des dérives à l'est du lac, dans l'une des zones où les creux sont les plus importants. L'après-midi va être compliqué pour tout le monde, même si quelques visages bien connus dans le monde de la pêche au leurre vont s'illustrer. Arnaud Rizzi-Anderson prend un joli poisson de 79 cm, tout comme Mélanie Messel qui ne lâche rien. 79 cm pour elle aussi, c'est une grosse performance pour sa première compétition en solo et sur un lac qu'elle ne connaît pas. Après le petit pic d'activité du milieu de journée, ça redevient très très calme sur Carcan-Ourtin, en tout cas en ce qui concerne la pêche. Quelques poissons sont pris, mais globalement, il ne se passe plus grand chose. Sur un herbier situé au sud du lac, un homme va réaliser un hold-up. Cyril Boissineau a un seul poisson, mais c'est un poisson de 99 cm, et en l'espace de 20 minutes, il va prendre deux nouveaux brochets sur sa zone, un herbier totalement délaissé par l'ensemble des autres compétiteurs. C'est un véritable coup de tonnerre, il boucle son quota à environ 30 minutes de la fin de la compétition avec des poissons de 76 et 77 cm et il arrache la victoire, le bateau tout équipé et la place pour le FC Fight Brochet 2024. Et le premier, c'est le seul compétiteur à avoir bouclé un quota donc dans ces qualifications très très difficiles. Et on est ravis d'appeler Cyril Boissineau, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour lui. Bravo Cyril.
Cyril n'est pas totalement un inconnu dans le monde de la compétition. Il a déjà réalisé quelques coups d'éclat, mais il signe là une victoire magistrale. L'autre grosse surprise de la fin de la compétition, c'est ce poisson de 88 cm pris par Jérémy Cross, alias Canito de Skarna Fishing, un deuxième gros poisson qui le propulse directement sur la deuxième marche du podium. Tout le monde avait les yeux rivés sur les favoris, Vincent Peña-Martin, Pierre Kremer et Tom Couchou, mais finalement, ils n'ont jamais pu boucler leur quota dans cette journée difficile. Et c'est donc Cyril Boissineau qui s'impose au bout du suspense. Cyril, tu as remporté les qualifications 2024. Qu'est-ce qui prédomine là pour toi, juste après cette victoire? La satisfaction d'avoir triomphé, d'avoir remporté un bateau incroyable, ou d'aller te mesurer avec les tout meilleurs pêcheurs français dans le FC Fight Brochet? C'est un peu tout ça. Je suis venu parce que j'affectionne beaucoup ce lac, d'une part. Et puis, je voulais me confronter pour une fois, pour une manche, tout seul sur un bateau, ce que j'avais jamais fait auparavant, face à des cadors de la pêche. Et je suis surpris et hyper content d'avoir gagné. T'es surpris? T'es encore sur un petit nuage là? Oui, ouais, carrément. Même dès le premier poisson, en fait, j'étais fou. Je tremblais, limite à pleurer. Et donc, je suis hyper content. Voilà. Et c'était vraiment compliqué parce que j'ai une embarcation modeste avec un moteur qui n'est pas avec ancrage. Donc, j'ai galéré dans les conditions vagues, météo. Oui. Aujourd'hui, c'était hardcore. Hein, oui, vraiment. À la limite, hein, dans certains endroits du lac. Hein. Oui. Vent de sud-ouest, de la pluie, on a été tabassé toute la journée. C'était vraiment dur. Et donc c'est encore plus satisfaisant pour moi d'arriver là, au bout, dans ces conditions difficiles. On voit bien que tu ne réalises pas encore trop là. Ouais, non, c'est clair, ouais. Ouais, c'est très beau, ça nous fait hyper plaisir. Que ce soit quelqu'un comme toi, on va dire, qui vient de la base, un pêcheur lambda, que les gens ne connaissent pas forcément, mais qui vont apprendre à connaître. On est ravis que ce soit quelqu'un comme toi qui remporte le bateau. À quel moment tu t'es dit, là c'est possible que ça le fasse? Au deuxième poisson, dès le premier poisson, est-ce que tu as eu des moments dans cette journée, tu as eu des moments de doute? Parce que tu es parti doucement. Hein. Alors le premier poisson, je le fais vers 11h. Ce qui est hyper satisfaisant, c'est qu'il fait presque le mètre, hein, 99, donc c'est... Et à partir de ce poisson-là, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est jouable, parce que je savais que la date allait être compliquée, qu'il n'y aurait pas beaucoup de quotas, selon moi, et voilà. Bon, donc ça m'a motivé à persévérer. Je suis resté sur la même zone jusqu'à 14 heures, sans que ça donne quoi que ce soit. Et après, je suis parti au sud, sur d'autres points que j'avais. Et à une demi-heure de la fin, je fais ce deuxième poisson, ouais, effectivement, 76. Sur un petit herbier. Les commissaires étaient vraiment pas loin de moi, donc ça a été vite mesuré. Je suis revenu sur le point. Le même herbier, la même petite herbier, zone? Même herbier, toute petite zone, je sais pas, à peine 50 mètres carrés. Et aussitôt lancé, bim, troisième brochet, 77. Et là, tu t'es dit, j'ai peut-être gagné? Et là, je me dis, bah, si. Il y a un pic d'activité, il est probable que d'autres pêcheurs en aient profité aussi, et du coup, rien n'est joué. Hein, jusqu'à... Tu ne savais pas? Non, jusqu'à la fin, je ne savais pas. Voilà. Génial. Avec quoi tu as pêché? Les trois poissons, je les ai fait avec le même leurre. J'ai changé de couleur, mais c'était un Pickshad Junior. D'accord. Le coloris, ça va intéresser les gens? Le premier poisson, c'était avec un marron pailleté. Je sais pas les noms, ouais. C'est pas grave. Et les deux coloris autres, assez sombre. Oui, sombre et naturel, ouais. Et les deux autres poissons vert naturel, pailleté aussi. Ok. T'es connu ici dans le sud-ouest pour gagner des compétitions, pour faire des coups d'éclat. Ici, en tout cas, pour les pêcheurs locaux, t'es pas un inconnu, pas du tout. Et là, première compétition tout seul, qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que t'as appris des choses sur toi-même? Ça, je savais que je pêche mieux tout seul qu'à deux, parce qu'à deux, on est toujours en train de faire autre chose que de pêcher, on n'est pas forcément concentré, voilà. Et là, tout seul, je suis tout le temps au taquet, à me repenser, il n'y a pas d'interférence possible. Alors oui, je suis connu parce que le défi, j'ai gagné ici une fois, j'ai gagné
la canoë, j'ai gagné aussi en équipage une manche du Basse Nation, Basse France Nation. Voilà, donc les lacs, je les connais bien, les lacs du Sud-Ouest, et c'est pour ça que je suis un petit peu connu ici. Il y a un autre pêcheur qui est connu, qui est sur le podium là, de ses qualifications, c'est Valentin Peña-Martin, qui est un très fort pêcheur. Tu t'attendais à le retrouver haut, on avait parlé de lui, de Pierre Crémer, qui sont des gens qui connaissent bien le lac. Tu t'attendais à ce que ce soit des rivaux très sérieux? Ah oui, tout à fait. Arnaud, Valentin, Pierre, c'était, pour moi, c'était dans le top 10 obligatoirement. Ouais. Ben, ils y sont. Hein. Ils y sont. D'ailleurs. Voilà. mais tu as fait vraiment, vraiment mieux qu'eux. Un peu de chance aussi. Ouais, il y en a toujours un petit peu à la pêche. Ouais, ouais. Hein ouais. Maintenant, il va falloir te remobiliser, apprendre à découvrir ta nouvelle monture. Tu vas aller affronter les autres très très bons pêcheurs, et en tout cas les plus connus, les plus renommés ouais. En France. Les Gail Even, les Tanguy Marlin, Charlie Couffou, Arnaud Landrieux, j'en oublie, hein, bien évidemment. Est-ce que ça, c'est de nature à t'impressionner un petit peu, de te retrouver là dans le grand bain, dans la cour des grands, ou est-ce qu'au contraire, tu vas aborder ça de la même manière que quand tu fais un défi ici? Oui, de la même manière. En plus, c'est des gens très sympas, tous. J'en connais quelques-uns, et non, ça va être un bon moment. Je réfléchis pas. Et... Pas d'appréhension? Non. Mais par contre, tu vas pas y aller juste pour prendre des photos, on est d'accord? J'y vais pas en touriste, non. Non, tu vas pour gagner? J'y vais pour essayer de passer, ouais. Ouais, ouais, ça me ferait plaisir. Bon, et ben nous, on a été ravis de te découvrir dans ces qualifications. Félicitations encore pour ta victoire. Elle est Merci. Vraiment magnifique. Ouais. Seul quota de la journée. Voilà. Tu nous as régalé. Tu as amplement mérité ce bateau et ta qualification pour le FC Fight. Merci et maintenant, à tous. On a hâte de te voir, te confronter aux autres. À bientôt. Dans la cour des grands. À bientôt et félicitations, Cyril. Merci. Félicitations.